Avant qu'on va parler de la saison 2 de la démocratie permanente. Alors, la saison 1, d'abord, j'espère qu'elle a donné envie. Et que, si, en tout cas, ceux qui sont là, c'est sûr que ça vous a donné envie, puisque vous êtes là. La, mais c'était en même temps une saison qui posait la question de la démocratie. Qu'est-ce qu'on lui voulait à la démocratie? Quelle était notre attente sincère de transformation de la démocratie? Parce qu'on a fait longtemps que c'est une question qui est mise sur l'établi, mais souvent on la travaille un peu en surface. On imagine comment la réparer, mais sans la transformer. Et là, je pense que le travail qui a été fait dans cette région en construisant la démocratie permanente, en tout cas les principes de la démocratie permanente, eh bien, c'était vraiment de poser en profondeur la question du fonctionnement de notre démocratie. Et je pense que ça, sans aucune forme de prétention, on a collectivement réussi à poser la question. C'était déjà un challenge. L'idée, c'était d'aller à la rencontre des habitants de cette région pour poser la question de la démocratie. D'ordinaire, on pose la question aux gens de qu'est-ce que vous attendez de vos élus, qu'est-ce que vous attendez de tel ou tel projet, comment vous voulez que votre ville soit demain. Là, c'était, mais finalement, vous attendez quoi de la démocratie? Et c'était une question un peu surprenante. C'est pas habituel qu'on vienne poser cette question. On a eu plein de réponses, plein de contributions. Et un premier élément d'enthousiasme, c'est que c'est une question qui passionne. C'est une question qui intéresse tout le monde. Et je dis tout le monde, en tout cas, tous ceux qu'on a rencontrés se sont sentis concernés. Alors, on n'a jamais posé la question de la même manière partout. On l'a posé de plein de manières différentes. Mais il y a eu un véritable intérêt. Donc ça, c'était la saison 1. On a posé la question. Il y a plein d'idées sur la table. Il y a une matière extrêmement riche. D'ailleurs, on n'a pas tout exploité. On a exploité à ce stade qu'une partie de cette matière. Plus de 500 propositions pour améliorer la démocratie. Elles ne concernaient pas toute la région. La région, en tout cas, s'est saisie d'une part de ces propositions. Et donc, on a fait voter en avril dernier une délibération. 25 mesures immédiates pour améliorer la démocratie, 7 chantiers pour une démocratie du futur. C'est ça, en gros, la structure de la délibération. Et maintenant, c'est aux actes citoyens. C'est-à-dire, comment ça? Ça ne reste pas un vœu pieux, une vision à très long terme, un changement espéré. Mais comment on va ensemble essayer de faire en sorte que ça se concrétise? Et dans ces mesures, il y en avait une, en tout cas, qui pour nous sonnait comme une évidence, mais pour les gens aussi, c'était de dire... On en a tous une part de responsabilité de cette transformation démocratique. On doit construire des logiques de co-responsabilité. C'est pas juste la collectivité, c'est pas juste les associations, c'est pas juste chacun à titre individuel. C'est ensemble qu'on peut redéfinir cette démocratie. Et donc ça a conduit à cette idée d'ambassadeur de la démocratie permanente, c'est-à-dire un réseau d'acteurs, de démultiplicateurs, des enjeux qui ont été posés, des idées qui ont émergé, d'une envie de transformer la démocratie. Et il faut que ça prenne côté de la société civile. Ça sera solide si la société civile s'en saisit et pas si seulement les institutions s'en saisissent. Et donc c'est tout le sujet des ambassadeurs. Alors moi, je n'ai pas tout le schéma en tête, mais une des intentions, c'est que le réseau des ambassadeurs soit un réseau qui relaie cette ambition, qui anime cette question dans les territoires, qui crée du lien, qui donne envie à d'autres de se dire « mais la démocratie, c'est notre affaire collective, elle doit se transformer, on ne répondra pas à tous les défis qui sont devant nous si on ne répond pas à ce défi majeur qui est le défi de la démocratie. » Donc c'est ça l'idée des ambassadeurs. Et puis peut-être, parce que Villot Carré, qui a répondu finalement à cette délibération, c'est la preuve qu'on peut se saisir immédiatement de ce que dit cette délibération. Villot Carré s'est à la fois saisi de l'installation de ce réseau d'ambassadeurs, et aujourd'hui c'est une première étape. Il y aura une deuxième réunion avec d'autres gens, parce qu'on pense que ce réseau, il doit être agile, il doit être vivant, il doit surtout pas être fermé, il doit être aussi ce que vous avez envie qu'il soit, et ça va commencer cet après-midi. En plus de ce réseau, nous nous sommes dit, à côté de ça, c'est un peu plus tard, mais il faudra qu'on en parle, il nous faut aussi pousser l'innovation démocratique, pousser un lieu où, dans la région, des gens travaillent ensemble, une forme de laboratoire commun de l'innovation démocratique, parce que ça se réinvente de manière permanente, c'est pas réglé ni par une délibération, ni par un réseau d'ambassadeurs, c'est aussi une réflexion permanente qu'il faut pouvoir... lancé. Donc, Villot Carré s'est proposé pour animer ces deux démarches-là. Pas dans le même temps, parce qu'on ne peut pas tout faire dans le même temps, mais lancer le réseau des ambassadeurs, qui est un réseau d'engagement citoyen, et puis dans un deuxième temps, nourrir un laboratoire de réflexion démocratique. Alors, on s'est appuyé sur des gens qui ont participé à la saison 1.
On s'est dit qu'ils avaient bien tenu leur rôle, plus que tenu leur rôle, fait le film, écrit la saison 1, et que bah, pour écrire la saison 2, il fallait s'appuyer aussi sur les gens qui ont été des co-animateurs dans les territoires, qui ont participé à la tournée citoyenne, qui ont participé au panel de citoyens animé par Vélo Carré. On s'est dit, là, il y a une première base de gens avec qui on a fait, avec qui on va continuer l'histoire. Pour que, parce que c'est, peut-être c'est important de dire ça, tout le monde a dit c'est bien ce que vous faites, mais enfin si vous venez une fois et qu'on ne vous voit plus, franchement, ça sera une arnaque. Voilà. Et que le sujet, c'est comment ça s'inscrit dans le temps. Moi, je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que c'est en construisant avec des gens qui ont fait vivre cette démarche qu'on arrivera à tenir un fil permanent et pas un fil ponctuel sur la démocratie permanente. Voilà, donc cet après-midi, c'est pour mettre du sens à tout ça, c'est pour imaginer comment ça peut fonctionner, c'est pour éviter des erreurs qu'on pourrait faire parfois en installant des outils comme ça, enfin des démarches comme celle-là. Donc pour moi, j'ai pas de résultat attendu. J'ai un espoir fort, c'est que on fasse vivre la démocratie permanente en région centre et que ça s'installe un peu partout, dans tous les territoires.